rotation côté Nîmois. Donc ça va pas jouer en la faveur des Nancéens, c'est souvent voilà. Si justement les Nancéens vont tout donner. En défense on est trop gentil à l'image de là de ce dernier but où on, là le ballon on doit être. Il a déjà fait parler la poudre les dernières rencontres. De Yasuhira, le deuxième du côté de Nîmes. Il suffisait d'en parler. Exactement. La petite feinte, la petite porte qui s'ouvre et le voici. Gravité très bas là, ils vont pouvoir avoir des intervalles pour aller jouer. Allez, belle passe là. Hussein. En tout cas, belle passe entre les jambes là. Ah, magnifique. Ouais, ouais, magnifique. Nîmes. Qui vont peut-être aller chercher le moins 1. Luc Toby, tout seul, Ivezic. Certainement un. C'est à régler. Ouh là là. Ouais. Et. Capacité à Souira. On le voit là-bas. En fin de l'image. Souira. Toby. Oh, quel 1 contre 1 là. Oh, quel 1 contre 1. Ça a tout fait ce soir. Troisième but déjà pour. C'est vif, c'est précis. Oh, c'est puissant. Boragan, il a rien vu. Hein. Oh là 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 là. C'est percé du japonais là. À nouveau, le voici. Ils sont seulement 10 hein, joueurs de champ sur la feuille de match. Donc très peu de rotation. Métropole handball, tout simplement. On va voir ça avec les Nîmois à l'attaque justement avec le japonais Yasuhira, Luc Toby, beau décalage là-bas. Intensité du côté de la défense nîmoise. Et en tout cas côté Nancy. Japonais Yasuhira, le voici, qui a fait son show hein, en première période. Ah oui. Que Salou, s'il n'est pas touché, il est très grand, il a un gardien. Ah, regardez, là, ils sont trop passifs là, les deux défenseurs. S'agace. Ouais, pas s'agacer, pas lâcher les ballons, pas jeter les ballons. Ah, bien joué. Ouais. Ils avaient. Oh ah, on en parlait, hein. Ça peut être important. Hein. Ça monte bien côté Nancéen. Oh. Il a déjà presque autant d'arrêts. Ego. Oh. Et il était en zone. Ça aurait été incroyable, ce coup de fou. Profitons-en. Ah, mais si, je pense qu'il va Matsana de Impérial, 9 sur 9. Et ouais. Malheureusement.